m'appelle Kenna. Jursana. Jules. Joachim. Mathilde. Noémie. Zaidou. Charlie. Je m'appelle Simon. Soi. J'ai Sagato. Abdella. Je m'appelle Kéla. Je voulais être au CME pour aider les Fropnésiens à me vivre. Et puis je trouvais que ça m'intéressait un peu pour améliorer la ville. Je m'intéresse beaucoup à la politique. Pour aider les gens, pour avoir une vie encore plus mieux. Les derniers projets du CME et le City Stade qui a été fait à côté de la poste pour y jouer au hand, au foot et au basket. Le CME a aussi fait un parcours santé à la plaine des sports. Il y a eu des... On a choisi les structures. Il y a eu des structures pour les personnes à mobilité réduite. Et je trouve que c'est bien pour les gens qui ne peuvent pas trop bouger, enfin faire du sport. Les réalisations des projets à Fontenelle-Comte ont apporté une vie meilleure et une ambiance plus chaude. Il y a aussi plus de loisirs grâce à ça et plus de joie. Les prochains projets du CME, c'est une association, un cœur d'enfants. Pour cette association... On a prévu un baptême de l'air, des jeux, un goûter et tout le monde peut y participer. Monsieur le maire nous a aussi proposé de réunir tous les CME de Vendée pour que tout le monde se connaisse. Ces projets, ça apporte plus de joie, plus de bonne humeur, plus de sourire. Pour moi, le rôle d'élu, c'est pour faire la ville plus propre, pour aider les gens... participer à tout. Pour moi, le rôle d'élu, c'est de donner une meilleure vie à tous les Fontenaisiens. Pour moi, le rôle d'élu est de donner des idées pour mieux s'amuser, représenter les Fontenaisiens. Pour moi, le rôle d'élu, c'est de s'amuser, faire des découvertes, jouer et se faire des copains. Donner plein d'idées pour améliorer et faire que Fontenay soit un endroit plus visitable et plus propre. Pour moi, le rôle d'un élu aussi, c'est pour aider plein de gens et construire des choses avec le maire et aider surtout la ville à avoir plus de loisirs et plus de gaieté.